Tous les ans, Elisabeth II s'adresse aux Britanniques lors du passage à la nouvelle année. Si elle n'a pas passé les fêtes de fin d'année au château de Sandringham en raison de la crise sanitaire, la reine d'Angleterre a tenu à partager un montage vidéo retraçant les moments marquants de la famille royale en 2021. Sur ces images, on peut ainsi voir la reine avec le prince Charles, le duc et la duchesse de Cornouailles en Égypte, les obsèques du prince Philippe, la rencontre entre Elisabeth II et Joe Biden, le discours du prince William à la 26 pesos colombien, mais également Edward de Kent et Richard de Gloucester. Si beaucoup de personnes ont été honorées dans cette vidéo, Elisabeth II a complètement zappé le prince Harry et Meghan Markle. Étonné que les parents d'Archie et de Lilibet ne soient pas honorés dans cette vidéo, les internautes ont été nombreux à réagir dans la section des commentaires. On peut ainsi lire. Meghan et Harry? Aucune photo d'Harry, si est-il triste, Harry est toujours un membre de la famille. Si est-il triste qu'il ne soit pas traité comme tel. Mais aussi, bonne année, mais vous auriez dû mettre une photo d'Harry, Meghan et leurs enfants. D'autres internautes ont alors rappelé que le duc et la duchesse de Sussex n'étaient plus des membres actifs de la famille royale, et par conséquent, n'avaient plus leur place dans cette vidéo. Le discours poignant d'Elisabeth II à Noël quelques jours plus tôt, si est-il dans son traditionnel discours de Noël qu'Elisabeth II s'était exprimée. Elle avait déclaré alors, « Bien que ce soit une période de joie pour de nombreuses personnes, Noël peut être particulièrement cruel lorsque l'on perd un être cher. » Et cette année, en particulier, je comprends pourquoi. Depuis le décès de mon regretté Philippe, j'ai tiré beaucoup de réconfort des marques d'affection que l'on m'a témoignées. Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à trouver des raisons de se réjouir dans toutes les situations étaient irrépressibles. Son regard malicieux était présent jusqu'à la fin de sa vie. Mais la vie, bien sûr, s'achève un jour et bien qu'il nous manque cruellement, je sais qu'il aurait voulu que nous passions des fêtes tous ensemble, réunis, et très chaleureuses.